ces caméras thermiques permettent d'identifier les personnes circulant avec une température anormale, juste à côté des cabines d'inspection qui facilitent la réalisation des tests COVID-19 en tenant compte de la protection de l'agent de santé. Ces équipements font partie des lots de matériels médicaux offerts à la Côte d'Ivoire par la République de la Corée et l'Agence coréenne de coopération internationale COICA. Ce système minimise les contacts entre les médecins et les patients tout en offrant une meilleure protection aux médecins. Il réduit aussi le temps de dépistage à moins de 3 minutes. En tant que partenaire, nous souhaitons le développement de la Côte d'Ivoire dans la paix. Nous désirons aussi que la Côte d'Ivoire devienne la plaque tournante de l'Afrique d'Ouest dans tous les domaines, y compris dans la prévention sanitaire contre COVID-19. Ce geste de solidarité d'une valeur de 300 millions de francs CFA est salué par les représentants des ministères des Affaires étrangères et de la Santé. Ce don s'inscrit dans la continuité des initiatives prises par la Corée pour participer au plan de riposte contre la COVID-19 mis en place par le gouvernement ivoirien. Voudrais-je exprimer mes sincères remerciements au gouvernement coréen pour cette importante contribution. En plus de 9 caméras thermiques et des 3 cabines d'inspection, il faut ajouter environ 2 millions de tests COVID, 3 civières mobiles de pression-négation pour le transport des patients et des milliers de masques. Ces équipements médicaux ont été remis aux autorités ivoiriennes au sein de l'INHP à Trècheville.